À mesure que la pandémie se prolonge, difficile d'échapper aux tests de dépistage et donc à l'écouvillon au fond de la narine. Pourtant, l'alternative existe et pourrait gagner du terrain. En France, un test salivaire simple et rapide a reçu le feu vert des autorités de santé. Son nom, EasyCov. Il a été développé dans cette entreprise de biotechnologie de Montpellier en partenariat avec le CNRS. Après prélèvement de la salive, le résultat est connu en 40 minutes. Le test salivaire est opérationnel déjà depuis donc cet été et il est utilisé dans différents types de lieux, donc par exemple en Vendée dans les EHPAD, chez les dentistes en Auvergne-Rhône-Alpes. On a des centres de handicapés en Belgique et les aéroports ont été les premiers, en particulier les aéroports internationaux de Djibouti et de Brazzaville, qui l'ont mis en œuvre et qui continuent à l'utiliser aujourd'hui. Selon ses concepteurs, sa fiabilité est comparable à celle des tests PCR. Les préconisations de la Haute Autorité de Santé ne concernent pour l'instant que les personnes présentant des symptômes. Mais cette position devrait prochainement évoluer. Début janvier, le remboursement du test EasyCovid a déjà été acté, ouvrant la voie à une utilisation plus large. Il pourrait aussi faciliter la mise en place d'un dépistage massif dans le pays.